Bon. On partage. On se détend. Respiration. Jouissance. Libération. AVC. Ça y est, avant même que je n'arrive, normalement, vous devez déjà être axé dans les partages. Vous devez déjà être axé. Oh, le tout, le dit comme. Tu étais passé où depuis? Bon, on voit à quel niveau on se trouve au niveau des partages, parce qu'on ne peut pas partager comme ça. La nouvelle, elle est terrifiante. Ah, ouais. Quand on a des nouvelles aussi fracassantes, la moindre des choses, c'est de partager, c'est de faire dire à la communauté que, bon, voilà, on a du lourd, on a du lourd, on a du lourd. Non, les gars, la dernière fois, j'ai voulu faire un live sans vous dire de partager. Et quand je ne vous demande pas de partager, vous ne partagez pas. On a une communauté qui est combattue. On a une communauté qui est très combattue. Partagée dans tout leur groupe. Parce que quand leur sorcier les gens pour connecter, ils partagent partout. Donc quand même, est connecting people. Envoyez ça partout. N'autre part là, maman, c'est la magie. Donc, partagez-moi ça là jusqu'à Baham. Oui. La libération. Par contre, pour l'ABC, j'ai les produits pour l'ABC. Oh, il y a un produit ABC. Attends, j'ai les produits de l'ABC. Attends, j'ai mis ça. Ouais, la bouteille de tramol. Voilà. J'ai les produits de l'AVC qui est vendu. Comment ça va dedans? J'ai les produits de l'AVC qui est vendu ici là. Ouais. Max, non, partagez pour l'instant. On n'a pas encore commencé. Si on n'a pas atteint les 1000 partages, si on n'a pas encore atteint les 1000 partages, on n'accélère pas le processus. Parce que libération de Bruno Bijan, téléchargement final. C'est bizarre que Bruno Bijan est libéré. Les gars ne veulent pas pour eux, ils veulent. Ils disent, oh, partagez d'abord, partagez. Patrice Nouma, quand tu as sorti la petite bouteille de champagne. Attends, on met un peu la musique, on partage en même temps. Une dose. Capsule anti-AVC. Le goût de ça. Disponible à l'entrée de Baham. Voilà. Le produit est là, anti-AVC. Oh mon Dieu. Attendez. Il y a le chapeau des pleurs. Voilà. Oh, le pleur ne peut pas vous le poser aujourd'hui. Hey les gars, on va vous faire ça dur, sans vaseline. Maximum de partage. On n'a pas encore commencé. Ouais. J'imagine la tête de J pour parler.
Voilà combien de partages. On regarde. Non, j'aime bien le son. Ça chasse le mauvais esprit. On est à 177 partages. On a 177 partages. Il faut qu'on maximise encore les partages. On commence à partir de 1000 partages. On commence le live à partir de 1000 partages. OK? Les gens ont parlé. Au lieu de chercher l'assassin, et ils voulaient la tête. Au lieu de chercher l'assassin de Martinez Ogo, ils voulaient à tout prix la tête de quelqu'un. Oh, parlez. Oh. Attendez, on se lance dans les partages. Je vous ai dit, maximisez-moi les partages. On ne peut pas être là. Nous sommes déjà près de 900. On n'a pas encore les 1000 partages. Dites-vous que sur les 900 personnes qui sont là, il y a au moins 600 extrémistes bamilékés et anti-jaloux dans Mugubelinga. Et les jaloux dans Mugubelinga. Ça veut dire qu'il y a au moins la moitié de ceux qui nous regardent là. C'est la moitié des gens qui détestent ça Mugubelinga. Et c'est la moitié des extrémistes bamilékés. Je dis, je répète, lancer les partages. Voilà. C'est notre live. This is my live. Allez, on ne parle pas encore du son. On est à 200 partages, 200. Il faut que ça accélère. Libération de Bruno Bidjan, téléchargement final. Pourquoi ils n'ont pas publié? C'est la honte. Vous faites ça. Vous allez dans les groupes et vous partagez dans tous vos groupes. Vous partagez dans tous vos groupes de partage. Vous partagez ça dans vos groupes d'azar. On continue, attends, on a combien de partages, attends. Normalement, ce n'est pas moi qui dois vous dire de le faire. Quand vous entrez, dites-vous quelque chose. Il y a tellement d'extrémistes bamilékés, il est jaloux dans mon gouvernement ici. Donc, partagez ça au maximum. On est à 300 partages. Nous sommes à 300 partages. Il nous faut les 1000 partages. La dernière fois, je vous ai demandé, je n'ai pas demandé de partager et vous avez partagé 268 partages. Ce n'est pas normal. On ne peut pas être plus de 1000. Dans les 1000, il y a au moins 500 extrémistes BAMS. Il y a 500 jaloux dans Mugubelinga. Donc, on ne peut pas être dans notre terre, dans notre terre. Ils sont dans les fenêtres, là, ils regardent comme ça pour voir. Oh, pour le... Ils sont là aux fenêtres, ils regardent. Ils sont en train de regarder. Nous, on est en direct. Ça dit, nous, on gère. On gère. On gère les bails avec les gens qui ont les fous. Vous avez compris? Amen, Kama, toujours 2 heures d'avance. Dans les fausses informations qu'ils avaient là aujourd'hui, partagez-moi le live. Partagez que là, il y a 300 partages. On ne peut pas être dans un live. Nous sommes 500. Nous sommes 500. Envoyez-moi ça dans tous vos groupes WhatsApp.
Envoyer ça partout, ils ne veulent pas la vérité. Oui. Envoyer ça partout, ils ne veulent pas la vérité. Parce que le flamponnement sera terrible. Ça veut dire que, voilà la bouteille, voilà le verre de champagne. C'est le verre de ce soir. Ça veut dire que, Patrice Lumumba, tu as sorti un petit verre. Tu t'es watch. Il dit que, en plus, j'ai mes deux bouteilles de champagne. Ce n'est pas le petit champagne. C'est le litrage. Voilà. Voilà. Magnum Champagne, Magnum Brigade des Patriotes. Oui. Le champagne de la Brigade des Patriotes. Il y a deux Magnum. Patrice, tu t'es lavé, non? Maintenant, avec tes rincés. Comme tu t'es lavé, Patrice, toi, tu t'es lavé. Mais on t'a pas rincé. Je vais te rincer. Tu as compris, Patrice, non? Comme tu te lavais comme, oh, mon coupé, les gars, oh, non, maintenant il y a le rinçage de ça. Il y a le rinçage. Ça dit que, non, ce n'est pas, ça dit qu'il y a le verre qui va avec. Oh, you. Il y a le verre qui va avec. Nous les pros, mon coupé, les gars, on n'a pas besoin de petits verres. Non, le petit verre ne nous suffit pas. On a le verre power. Tout ce qu'on fait, c'est en grand. Tout ce qu'on fait, c'est en grand. Donc, Patrice, dis-moi, comme tu t'es lavé l'autre jour, tu n'as pas séché. Non, je vais te rincer parce que quand on lave le cerveau, après il faut rincer ça. Donc, pour toi, maman, 2 litres de champagne, c'est le Magnum. La marque de la Brigade des Patriotes. C'est-à-dire que le logo, il c'est un brut. Eh, Adama, oh, oh, oh. Eh oui. Bon. On continue à partager, on lance les partages, parce que à l'heure-ci. 1000 partages, oh yo, 1000 partages. C'est-à-dire que là où on est là aujourd'hui, hey, les fidèles, oh, wombo, wombo. Hey, Adjunga. Hey. Abou Benigadio. Bruno Tijanetio. Les gars, non, si vous voulez pas, j'arrête de là. Mais on a une grande nouvelle. Bruno Pidjam libéré, vous ne voulez pas partager? Oh, sérieusement, n'abusez pas. Envoyez-moi ça dans le groupe de J-Point. Envoyez ça dans le groupe de Boris. Envoyez ça chez Jouta. Oh, you, go come to life. Oh, you, go come to life. Oh, on est au funérail. On est au funérail. Au funérail, on partage. On est au funérail. Adama. La nuit des pleurs. Oh, oh, demain, toi, demain matin. Oh, gouvernement corrompu. Oh, oh, Paul Biya escro. C'est comme ça qu'ils vont commencer demain. Non, les fois fini. Vous allez voir. Oh, partagez le live. Oh, po, Américain. Donc, mais nous savons que ça, c'est l'eau de pureté. Aïe! L'eau de pureté par Bruno Pidja. Et quand tu bois ça, tu sens vraiment comment tu es innocent. Il y a l'autre, quand tu bois même, si tu as tort, ça te transforme. On a combien de partages? Attends, on lance encore. Les gars, pardon, faites-moi commencer vite. J'ai dit que c'est une honte qu'on est dans un live. C'est encore un mec, vous devez le partager. C'est même qu'on a 4. Attends, je regarde. Dernière statistique, on est à combien de partages? On est à 600 partages. 668 partages, les gars. Les gars, on perd combien de minutes? Attends, on perd combien de minutes avant de commencer? On perd 16 minutes. Un live, c'est combien? Tu cliques le... Non, peut-être qu'on y va pas. Peut-être les gens pensent que c'est payant. Non, le live, non. Le partage est gratuit. Oh, you, partager, c'est gratuit. Tu partages seulement partout, c'est gratuit. Ce n'est pas payé. Ils pensent même que peut-être que c'est payant. Ouais. Oh, yo. Ah, pop. Adama. Ouais, non, je bois l'eau de pureté. Oh, eau de pureté, by innocence, by Bruno Pidjam. Oh, yo. Allez, quand j'étais.
Wow. Non, moi, je vous dis, j'espère que demain, vous allez encore mettre dans vos murs que Paul Biya, c'est un bon président. J'espère que demain, vous allez mettre dans vos murs Paul Biya, c'est un bon président. Oh, you, mon papa, que partager, que like, que. Oh, you. Bon, on continue. Souviens partagé ou la dame. Partage plus que 200. Allez, 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 800 partage plus que 200. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. On est 1400. Sérieusement, un dernier coup de partage. On est à. Attendez, je remets ça en place. Les gars, on a 900 partages, on a perdu. On a perdu 20 minutes. 20. On perd 20 minutes. On perd 20 minutes pour faire. On n'a même pas encore atteint les 1000 partages. On a déjà fait 20 minutes. N'oubliez pas qu'il y a des gens au Cameroun qui n'ont pas de connexion. Il y a des gens au Cameroun qui mettent la connexion de 200. Qui mettent la connexion de 200 pour pouvoir nous suivre. Donc, on demande de partager de grâce. De grâce. Pensez aussi à ceux qui ont la connexion de 200. Pensez aussi à ceux-là. On ne peut pas passer 20 minutes. Vous n'entendez pas le fou, le jeep, on dit que partager. Et pourtant, que l'upercute qui vient d'avoir là-bas, on percute. Ça, là, il est KO. Et on vient là, vous ne voulez pas partager. Mais les gars, sérieusement.
Après, vous avez dit que vous aimez beaucoup Beringa. Vous avez dit que vous aimez le groupe anecdote. Vous avez dit que vous aimez la vérité. Quand on aime la vérité, on partage. N'oubliez pas la devise de la brigade des patriotes. Patriote, partage, protège. Patriote, partage. C'est sur la bouteille de champagne. Sur la bouteille de champagne, il y a la devise des patriotes dessus. Patriote, non, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que le groupe. Attendez, je vais vous mettre ça comme ça. Vous allez voir. Sur la devise. Attendez. Voilà. Je vais vous montrer la devise. Voilà la devise que vous voyez là. Patriote, voyez un peu. Patriote, partage, protège. Alors, respectez au moins la devise. Voilà. Oh. Respectez au moins la devise. On est en famille. Oui. On ne peut pas être là. On fait 20 minutes. Pensez à ceux qui sont au Cameroun, qui veulent regarder le live. Il a mis sa connexion de 200. Rien que pour les batailles, il a tué 100 de connexion. 200, c'est une heure de live. Vous n'oubliez pas ça au Cameroun. Oh, respectez ceux-là. Oh, quand même, on doit vous forcer. Après, vous avez dit que vous aimez les patriotes. Vous avez dit que vous aimez le président. Vous avez dit que vous aimez la vérité. On doit vous forcer de partager. Et regardez comment les gars ont partagé les caca. Quand tu passes à l'île de 10 plans, tu passes à l'île de 10 plans. Oh, sérieusement. Vous partagez et vous demandez à vos amis de vous abonner sur la page de la mère Kamer. Il nous faut 200 000 followers. Voilà. Voilà, enfin, à position, on a 1000 partages. On a plus de 1000 partages. Voilà, c'est déjà bien. On prend une heure. You know, let me talk to you, ok? I'll speak English. Ali que nous voyons pas l'anglais, le vrai anglais, ok? Bon, let me talk to you. My name is Amer Kamer. Pour ceux qui me connaissent, je suis Amer Kamer, je n'ai plus besoin de me présenter. Ouais. Aujourd'hui, nous entrons dans l'ère de la vérité. Aujourd'hui, le Cameroun veut savoir. Le Cameroun veut savoir. Alors si, est-ce que vous voulez la vérité ou est-ce que vous voulez accuser Amougou Beringa? À l'heure où la libération ne cesse de sonner de gauche à droite, tu pars quelque part, tu entends que la direction de la banque est libérée, tu dors, on te dit encore que boum. Il dit que les gars, débandade totale. Oui, merci pour les cœurs. N'hésitez pas à le mettre, Kamer, tu es beau, Kamer, tu es intelligent, n'hésitez pas, vous pouvez lâcher vous. Bon. La question qu'on se pose, parce qu'on nous a le grand mal. Mes indiques, mes sources sûres m'ont dit Amer, la photo de J. avec Amougou Beringa, garde d'abord ça au frais. On va te demander de sortir ça le bon moment. Parce que comme beaucoup de gens disent, insiste et persiste, que J. n'a jamais vu Amougou Beringa. D'ailleurs, il n'a pas démenti. Et Claudicia lui-même non plus n'a pas démenti. Parce que Claudicia est venu sur mon mur se justifier. Que oh, c'était parce que le poste. Quand moi je parle, on dit du coup, oh Amer Kamer, tu vois. Claudicia était sur mon mur se justifier. Quand vous parlez. Vous avez dit que Amer Kamer, tu racontes n'importe quoi. Amer Kamer. C'est pour ça que je vais encore renvoyer encore autre chose. Parce que nous là, quand on parle, on ne blague pas. Ça, j'adore la partie du film aussi. Quand on parle, on ne blague pas. Attendez. Ça, c'est la partie où Claudice est venu se justifier sur mon mur. Voilà. C'est pour vous dire. Kamer. Ça veut dire que quand tu vois les Claudice arriver sur mon mur se justifier, ça veut dire ce que ça veut dire. Claudicia qui à un moment donné a accusé Amougou Beringa indirectement. Mais il ne savait pas que on avait le polo. Oui, vous avez déjà fait, oh, Amer Kamer. Voilà, voilà qui commence à se justifier. J'ai dit parler sur la banque et je n'arrive. Il a roi. Oui, je suis un con, je suis un villageois, je suis un fou. Mais Claudicia vient se justifier. J. n'a pas démenti.
J-Point n'a pas démenti. Le problème avec J-Point maintenant, il faut qu'il nous dise ce qu'il avait nous dit à Moubelinga le jour-là, le 11 mars 2021. Le 11 mars 2021. C'est qu'est-ce que Amen, Kamen, je vous ai dit, qu'en matière de vérité, je ne suis pas un extrémiste bamileke comme les Polo, comme les Boris, comme les Nana, comme les Nganou, comme ces gars-là. Et je dis, si je les appelle extrémistes bamileke, ce qui n'a rien à voir avec bamileke, j'aime les femmes bamileke, parce que quand tu vois les fesses qu'elles ont, tu vois les seins qu'elles ont, avec les lèvres qu'elles ont, bon, tu ne peux même pas dire que tu peux pas y amour en Gabams. Ouais. Donc, on continue. Vous allez vous dire, Kamer, c'est n'importe quoi. Que c'est n'importe qui. Mais à l'heure où je vous parle là, il y a le premier ministre qui est sur mon mur. Oui. À l'heure où je vous parle, il y a le CNE qui est là. À l'heure où je vous parle, il y a la DGSN qui est là. À l'heure où je vous parle, il y a tout le sous-quoi qui est là. On a un live propre. Je ne suis pas dans les histoires de que je vous mets comme ça quelque part. Je vais vous raconter comment Paul Biya, ce n'est pas son vrai nom. Comment... Non, on n'est pas dans ça. Maman, je suis comme le Kawa, tu me mets quelque part, tu laves le doré. Je suis comme le Kawa, tu me mets quelque part, tu laves le doré. Je ne suis pas les histoires de nom. On doit savoir ce. Si on est venu en tant que haut-parleur, en tant qu'influenceur, c'est pour dire à la population de toujours choisir l'axe de la vérité. De toujours choisir l'axe de la vérité. Justice pour Martinez, je ne connais pas. Et je ne sais pas quelle personne, quel être sur terre ne veut pas la justice pour Martinez. Je ne connais personne sur terre qui ne veut pas la justice pour Martinez. Vu comme Martinez a été tué, c'est inacceptable. Oyou, inacceptable. Même au Langam, ils n'ont pas accepté ça là-bas. Même à Baham, ils ont confirmé que non. Mais vous n'allez pas venir nous dire. Celui. Oh, Amen, Kamen, papa n'a preuve. Oh, Amen, Kamen, papa n'a preuve. Celui que vous insultez. Non, on attend d'abord. Celui que vous insultez. Avant d'aller en prison. Vous avez écouté Martinez, comment il parle dans Mugubelinga. Martinez dit, si j'avais un patron comme Mugubelinga. C'est Martinez Ogo qui dit lui-même que si j'avais un patron comme Mugubelinga, j'allais dire Dieu merci. Les vidéos sont sur mon mur. Allez sur l'autre page, jamais, quand même. Est-ce que quand J-Point se lève pour dire que Martinez était son frère, c'est quelle hypocrisie? Je demande et je te mets au défi J-Point. Montre une conversation avec Martinez. Tu n'as aucune. Tu n'as aucune. Je te mets au défi. Montre-moi une seule capture ou un seul mot où tu étais en contact avec Martinez. Il n'y a rien. Parce qu'on a le popo. On a le popo. On a le A0. Quand on a chacalisé le phone, on n'a pas vu ton nom dedans. Va mentir ce que tu veux mentir. Quand on a chacalisé le phone là, il n'y avait pas ton nom dedans. Oui. On parle de quoi? Tu arrives, tu vois un troupeau d'illettrés. Un troupeau d'imbéciles avait pour eux d'insulter le Cameroun. Maintenant, ils disent que Paul Biya gouverne bien le pays parce qu'il veut la tête d'Amugubelinga à tous les prix. Il veut la tête d'Amugubelinga à tous les prix. Ils vont te dire que Paul Biya gouverne bien pour une fois la justice au Cameroun parce qu'on a arrêté Amugubelinga. Nous, on cherche l'assassin. Eux, ils ont même pour ma femme Amugubelinga. Nous, on cherchait l'assassin. Eux, ils ont un problème avec Mugubelinga. On a le A0.
Il n'y a aucune communication entre Jipwong et Martinez. Je te mets au défi. Je te mets au défi. Mon envoi. Moi, quand je parle, je mène mes enquêtes. Je mène mes enquêtes. J'approfondis les enquêtes. J'ai au moins 6 personnes qui témoignent. J'attends seulement le feu vert pour publier la photo. Parce qu'il y a une personne dans la photo qui ne veut pas être vue. Voilà pourquoi moi j'attends d'abord. Je ne mens pas. Je mens pour faire quoi? C'est pas moi qui est venu vous dire que Claudice a demandé à être directeur. On a dit quoi, mec, quand même, tu mens. Il est venu répondre non. Quand il est venu répondre sur moi, vous avez encore dit quoi? Vous avez encore dit quoi? Quand même, mentait. Il n'est pas venu répondre. J'ai vu le double jeu de Claudicia. Le double jeu. Vous avez venu avec vos références. Journalistes sans frontières. Comme si c'était une référence. Un journal qu'on a chassé en Russie. C'est quoi vos références? On vous a dit que la presse française, c'est une référence. C'est-à-dire que la presse camerounaise est plus libre que la presse française. Essaye de parler mal de Macron. Bolloré te met dehors. Bolloré te met dehors. Vous parlez de quoi? La France a eu... La France peut nous dire quelque chose? Je vous vois quand vous parlez, vous restez sur le fait que... Oh, la France peut nous dire quoi? Sur tous les domaines. La presse française est la presse la plus bâclée. Essayez de parler de Bolloré. On va voir, vous allez encore écrire. La presse française est dans les mains de deux personnes. Deux personnes. Vous parlez. Quelqu'un va venir me raconter que oh, journaliste sans frontières. C'est une presse, ça. Ce sont les gens. Les gens qui insultent le Cameroun matin, midi, soir, étant à Paris. Vous parlez de quoi? La France nous peut. La France a 3 000 milliards d'endettement. 3 000 milliards. En euros. Le Cameroun est seulement endetté de 15 milliards d'euros. Allez fouiller sur Internet. Je n'ai pas besoin de tourner autour du premier agent, ça ici. Normalement, la France, c'est 2 998 000 milliards. Non, pas le milliard. 2 998 milliards d'euros d'endettement. Le Cameroun, c'est 15 milliards. Ils vont nous donner 15. Ils vont nous dire quoi? Les Français vont nous dire quoi? Comment on va marcher avec notre pays? Ils vont nous dire quoi? Allez vous renseigner. Hein? Vous ouvrez vos bouches. Oh, un reporter sans frontières. Eh, c'est quelque chose. Hein? Journaliste sans frontières, c'est quelque chose. Ils sont quoi? Ils sont quoi? Dites-nous. Parce qu'il y a un J-Point Jansang qui est arrivé là-bas. Il voit une bande de décérébrés. Hein? Les gens qu'on a élevés entre le comptoir de charbon et le bandeau de marque. Ils se lèvent et se retrouvent là-bas. Hein, avec leur point fort de partager les lives. Maintenant qu'on a libéré Bruno, vous allez faire comment? On attend encore. On attend. Maintenant que Bruno a libéré, pourquoi vous n'avez pas publié? Pourquoi vous n'avez pas publié? On a encore choisi l'information. Je suis avec Amère. Tant qu'Amougoubéringa est innocent dans cette histoire, je suis avec lui. Je suis avec lui. Amougoubéringa connaît quelque chose dans cette histoire ou est impliqué de près ou de loin. Je tourne mon tchaka directement. Je dis que papa, je ne suis pas avec toi. Je supporte Amougou pour l'instant parce qu'il est vrai. Parce que je pense qu'il est honnête. Et jusqu'à présent, la justice ne l'a pas condamné. Il n'a pas été mis en examen. Maintenant, quand vous arrivez, la question que je vais vous poser, voulez-vous la justice pour Martinez ou ce sont les milliards d'Amougoubéringa qui vous posent un problème? Voulez-vous la justice pour Martinez ou ce sont les milliards d'Amougoubéringa qui vous posent un problème? C'est ça la question aujourd'hui. Ne tournons pas autour du pot. La question est que ces extrémistes Bamileke qui sont bien connus ici en France par les services de police,
on les voit tous. Quand il fallait insulter le président de la République. On les voit tous. Ils ont reformé le même bloc. Et ils ont décidé de lyncher Amougou Belinga. Vous pensez qu'on n'a pas les répondants? Où est le rapport entre la mort de Martinez Zobo et Vision Finance? On voit Equinox. J'espère que vous avez le retour de ce que vous avez pensé. C'est vrai, Tchouke. J'espère que toi et Equinox, vous avez le retour. Vous, quand vous avez le retour va arriver, ne vous plaignez pas. C'est vrai, Tchouke, quand le retour va arriver, j'espère que vous n'allez pas vous plaindre. Le sabotage que Equinox a commencé sur Vision 4, maman, c'est le hélélé. Est-ce qu'on vous a payé? Point d'interrogation. C'est vous les premiers à dire qu'on a payé les blogueurs camerounais. C'est vous les premiers à parler de corruption. Nous, on est là seulement, on est calme. C'est vous les premiers à donner les montants des gens. J'y Jansan, l'exhumeur. L'exhumeur numérique numéro 1 de tout le monde entier. Le seul qui vend le corps de Martinez à toutes les sauces. Il vend ça à toutes les sauces et sur tous les médias. J'y pointe Jansan. T'as pas. Ça va dans bientôt finir. Martinez va aller reposer en paix. Et le système va trouver celui qui l'a assassiné. Et le système va trouver celui qui l'a assassiné. On est là pour la justice pour Martinez. On n'est pas là pour accuser quelqu'un. Vous pensez qu'Amougou Belinga n'a pas le soutien? Parce que c'est l'enfant du chien. Parce qu'il a tué le même système que vous avez à Christian Paul Biya. Vous allez penser que ça va passer. Amen, quand il est au Cameroun, il n'a pas la connexion. Ici, on a la connexion. Ici, on a la connexion. Vous sortez, il sort. On va attendre tout ce qu'on va nous dire. Je suis le seul blogueur jusqu'à présent qui ne donne que des bonnes nouvelles. Et des nouvelles vraies. Quand on a arrêté Amougou Belinga, je vous ai confirmé. Quand on ne l'avait pas arrêté, je vous ai encore confirmé. Si pour vous, ces extrémistes bamiléqués, la mort de Martinez est un fonds de commerce pour vous, pour emmerder les gens. Pour nous, il y a un journaliste qui est mort. Un journaliste qui est mort. Et on doit tous se mobiliser ensemble en mettant la pression aux autorités pour qu'on nous sorte vraiment qui a tué. On n'a pas demandé aux extrémistes bamiléqués, aux jaloux d'Amougou Belinga de dire que voilà celui qui a tué. Non. Aujourd'hui, les libérations continuent. Les libérations continuent. Que ceux qui ont tué Martinez Zobo soient condamnés. Tant que la justice n'a pas condamné Amougou Belinga, il a la présomption d'innocence. Il est innocent. Ne tournons pas autour du pot. On est là pour la vérité. Les extrémistes bamiléqués ont mis tous les blogueurs bamiléqués en alerte pour saboter, mettre à la tête des Camerounais que ça a Amougou Belinga. Nous vous disons stop. Amer Kamel, le patriote Alpha, vous dit stop, ça ne passera pas. Tout comme on n'a pas laissé passer Kamto, on ne vous laissera pas passer. Vous allez laisser les autorités camerounaises faire leur travail et de nous donner le verdict. En attendant, on place des hypothèses et des hypothèses. Ma grande surprise dans cette histoire, c'est que tous ceux qui ont critiqué Amougou Belinga ont travaillé pour lui à un moment donné. Soit l'ont choco, soit il les a choco à un moment donné. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui insulte Amougou Belinga pour rien. Vous allez trouver que soit la personne a travaillé pour lui, soit la personne
a voulu quelque chose de lui. Voilà ces gens qui insultent Amourou Beninga aujourd'hui. J. Pourquoi tu ne dis pas aux gens que tu as rencontré Amourou Beninga pour un poste? Il faut se dire ça. Aujourd'hui, tu l'insultes. Ton frère, Claudicia, il a avoué. Mais alors, laissez le gouvernement camerounais parler. On voit des journalistes sans frontières qui entrent dans le Congo, ça, c'est pas possible d'insulter le Cameroun. Non. Le Cameroun est un pays de droit où les institutions sont fortes. Laissons les autorités camerounaises mettre en place la justice pour qu'on nous dise qui a tué Martinez. On revient dans l'histoire de la libération. Beaucoup de gens sont découragés parce qu'on a de libérer tout le monde. Parce qu'ils sont en rendu compte qu'on les a induits. Et je tiens à rappeler qu'il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu de remise de scène à l'immeuble des camps. La stratégie de J. C'était de salir l'immeuble des camps. Pourquoi ça, le nom de l'immeuble des camps devient l'immeuble de la mort? C'était la stratégie de J. Mais J. ne s'est pas mis d'accord avec Boris. J. ne s'est pas mis d'accord avec Boris. Voilà là où le désaccord arrive. Quand J. dit qu'on a tué Martinez à l'immeuble et camp, Boris dit c'est faux. Il n'a jamais été là-bas. Voilà où la guerre commence entre les deux. J. dit que c'était un Pajero noir. Boris dit que c'est faux. C'était gris. La guerre commence entre les deux. Entre J. et Boris. La guerre des menteurs. Celui qui a recruté les blogueurs jaloux d'Amourou Beninga et les blogueurs extrémistes Bamileke que nous connaissons tous. Mais pourquoi vous ne dites pas si aux gens combien on vous a payé? Vous avez annoncé le prix qu'on m'a payé 9000 euros. J. Moi, je ne suis pas les autres. Le jour où tu prononces mon nom, même éleveur de poulet, je prends la voiture, j'arrive chez toi, je te tabasse. Comme je te dis là. Je ne suis pas les autres, je ne suis pas l'étoile tribienne, je ne suis pas les... Le jour où tu prononces mon nom dans ton âge, j'y prends. Même des voix de paix là. Je te tape. Je te dis, ce n'est pas que je discute avec toi. Je viens de Waterwalk, je te coupe une chandelle. Le jour où tu prononces mon nom dans tes conneries, on sort les listes des gens. Le jour où tu prononces mon nom là. Il te coupe la chandelle, il te nac. Tu as compris? Wabour, fais ça avec les autres. Moi, je suis en même avec toi. Avant que je ne parte, et même si je go, tu laisses prononcer mon nom après. Je garde ça. J'ai la rancune ténace. Et ne suis pas les gars que tu prononces leur nom. Et ne suis pas les gars que tu prononces leur nom. Le jour où tu prononces mon nom, je vais te chacaliser le jour là. Ben. Tu vas rester comme ça, tu vas confirmer que non. Le gars va s'aller sauvage. Fais ça avec les autres. Fais ça avec les autres. Moi, quand il dit quelque chose sur toi, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand Boukman vient mentir qu'on a proposé 70 millions, tu vas sur Fake WhatsApp. Tu prends l'application Fake WhatsApp, tu télécharges, tu inventes, tu picotes ton truc. On peut donner 70 millions. On te dépense, mon gouvernement, te dépense 5 000 euros. Boukman. J'étais à Paris la dernière fois. Je vous ai dit où j'étais. Il fallait venir. Parce que moi, je ne suis pas vos petits blogueurs que vous prononcez leur nom n'importe comment. Je ne suis pas ces petits blogueurs que vous prononcez leur nom n'importe comment. Le jour où tu vas encore dire qu'il est veuf de poulet, je prends le train ici là. Je viens faire la veillée chez toi. Je viens faire la veillée chez toi. Si c'était loupé chez toi, je m'avais attendu au bureau. Je vais te chandaliser qu'en direct. Quand vous aimez entendre que les autres, moi je ne suis pas les autres. Même les points de Mioquet là,
Il t'a interdit. On continue. On voit une orbe d'extrémistes bamileke foncer tout droit sur Amougou Belinga. Parce qu'ils ont reçu l'ordre de monter la diaspora contre Amougou Belinga. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Mais on a vite pris l'information. Que votre rôle, c'était de déstabiliser les enquêteurs en disant toutes sortes de conneries. Mais heureusement, vous avez commencé à vous faire la guerre entre vous sur beaucoup de choses. Quand tu te lèves, tu oses dire que Martinez est ton frère. Montre-moi un seul message que tu as envoyé à Martinez. Un seul. Vous aimez parler pour parler. Un seul. Moi, je peux te montrer les messages que je suis en contact avec Bruno. Moi, je retourne pas autour du pot. Je retourne pas autour du pot. Moi et Bruno, on discute par WhatsApp. On discute. Montre-moi un message où toi, tu es en contact avec Martinez. Vous allez m'entendre que. Parce que la mort de Martinez te rapporte l'argent que tu fais tout le bruit là. Montre-moi ce message. Moi, je te mets au défi. Demande que tu n'as jamais rencontré à Moubelinga. Demande que tu n'as pas reçu 5 000 euros à Moubelinga. Et montre un message comme quoi tu discutes avec Martinez. Montre juste le message. Les gens vont commencer à croire ce que tu dis. On te demande d'être vrai. On ne te demande pas de commencer à raconter les histoires parce que tu as refusé un poste de travail à Télé Sud. Tu n'es pas le seul qu'on a refusé le travail à Télé Sud. On a aussi refusé le travail à Claudicia. Mais Claudicia ne s'en cache pas. Il dit qu'il avait demandé le travail là-bas. Il dit qu'il avait demandé le travail à Moukou Belinga. Mais c'est comment avec-vous? Tous ceux. Jusqu'on ne voit même pas faire dessus. On indemnise quelqu'un. Il parlait plus de 35 millions de simples journalistes. Il parlait plus de 35 millions. Plus une voiture, plus une maison. C'est lui qui s'élève pour insulter, pour mépriser Amougou Belinga. Et vous voulez que les gens restent tranquilles. C'est quelle forme d'hypocrisie? C'est quelle forme d'hypocrisie? Soyons sérieux. Où nous sommes les blogueurs pour dire la vérité, ou on va faire quelque autre chose. Moi, je m'en fous complètement. Je suis un gars vrai. Quand je parle ma chose, c'est parce que j'ai les preuves. Je ne parle pas les choses que je n'ai pas les preuves. J'ai pour je te mets au défi. Dis que tu n'as jamais reçu l'argent d'Amougou Belinga le 11 mars 2021. Dis-moi ça. Dis que le 11 mars 2021, tu n'étais pas sur le bateau mouche, allé de manger le homard avec Amougou Belinga. Dis encore ça. Vous parlez même comment? Tous ceux qui attaquent Amougou Belinga, ce sont les gens, soit l'ont refusé un contrat, soit qui travaillent avec lui. Aujourd'hui, c'est devenu que, oh, on va se venger. Vous allez vous venger comment? Vous allez vous venger comment? Il vous doit quoi? Si on donne ça à tout le monde, allez aussi, on vous donne aussi pour vous. Allez, on vous donne aussi pour vous. Il ne fait que vendre le corps de Martinez n'importe comment. N'importe comment. Il vend le corps de Martinez sur TikTok. Il vend le corps de Martinez sur YouTube. Il vend le corps de Martinez sur Facebook. C'est-à-dire que c'est devenu l'exhumateur numérique numéro 1. J. Vous allez m'entendre. Respectez au moins la mort d'un journaliste. Vous parlez de quoi? Après, maintenant, on a libéré Bruno. Pourquoi vous ne pensez pas qu'on a libéré Bruno? Pourquoi vous ne pensez pas qu'on a libéré Bruno? Parce que vous avez mal. Maman, je vous ai préparé. J'ai été comme ça, deux magnums. Deux magnums comme ça là. Tu as compris? Pascal, Nouma, tu t'es lavé, je vais te rincer. Je vais te rincer. C'est pas possible. Quelle hypocrisie.
Après, vous allez me dire que, oh, Ahmed, Ahmed, tu parles du mal des Bamléké. Tu parles du mal des Bamléké. Tout ce que faux, ce que je dis. Tous ces blogueurs qui attaquent Amourou Beninga, ce ne sont pas les Bamléké. Et les jaloux d'Amourou Beninga. Vous parlez de quoi? Quand moi, quoi? Bamléké? Nana, Bamléké? Boris, Bamléké? Tuta, Bamléké? Vous parlez de quoi? Kemta, Bamileke. Ekanga, Bamileke. Vous parlez de quoi? Parce que vous n'avez pas la vérité. Vous ne pouvez pas vous dire, oh non, Ahmed, Ahmed, il ne faut pas mettre les Bamileke dedans. Je dis et je répète, ce sont les extrémistes Bamileke. Allez vous prendre avec. Bon, Djemana. Quand c'est pas insultant, Amourou Beninga, vous ne le voyez pas. On voit l'autre bordel aussi. Elle s'appelle encore comment? Un bordel rouge. Quand tu es au Cameroun, maman, la manière qu'elle suppliait, oh, je veux voir Amourou Beninga, je veux voir. On a refusé que tu vois. Tu as dit que quoi? Tu as dit que c'était ton frère, non? Tu es au Cameroun, tu l'as vu. Tu l'as vu? Elle n'a même pas honte. On insulte, elle se lance là-dedans. Quand elle part au Cameroun, elle commence à dire comment pour bien gouverner bien. Quand elle rentre ici en France, elle commence. Il faut les voir. Quand ils commencent à parler, quand ils arrivent au Cameroun, il faut les voir comment ils appellent. Oui, Ahmed, c'est comment là-bas à l'aéroport? Pardon, on va un peu vérifier s'il y a mon nom là-bas. Pardon, on va un peu vérifier s'il y a mon nom là-bas. Voilà comment ils parlent quand ils sont là. On va un peu vérifier s'il y a mon nom là-bas. On va un peu vérifier. Hein, Apo? Hein? Vieux bordel. Maintenant, tu insultes Amourou Beninga, hein? C'est pas toi qui étais allé dire que, oh, Amourou Beninga, toi, tu es pas dans sa chaîne, toi, tu es allé faire l'émission. Pourquoi tu n'es pas parti? Vieille sorcière. On va le tuer, il bout de jipon là-bas. Le gars a refusé que tu travailles sur sa chaîne. Ça devient un problème. Mais remets-le aussi les 5 000 euros qu'il t'a donné. Un jipon, remets-le aussi les 5 000 euros qu'il t'a donné. Tu fais 2 heures d'attente. Au jour 5. Parce que tu veux voir Amourou Beninga. 2 heures d'attente de jipon. Et c'est toi qui sors pour parler. C'est toi qui sors pour parler. Là, tu ne dis pas ça aux gens. Là, vous ne dites pas ça aux gens. Là, on voit une bande d'extrémistes tordus du cerveau. Qu'est-ce que le maître de Martinez a à voir avec Vision Finance? Qu'est-ce que le maître de Martinez a à voir avec le groupe d'anecdotes? Sérieusement. Une bande de perdus. Hein? Au lieu d'aller chercher la vérité. Allez vous inscrire à la liste électorale. Vous ne voulez pas. Voir votre camp toqué ici en France, non. Pendant que les sénatoriales, voir votre camp toqué ici en France, non. Camp toqué pas à Paris. Camp toqué pas à Paris. Vous n'avez même pas honte. Camp toqué pas à Paris. Le tout, s'il vous a laissé, il ne se prononce pas. Il se prononce, il connaît. Quand vous êtes à l'état et tout dit, vous avez parlé de ça. Ne faites pas. Je vous ai toujours dit. Vous n'avez pas le monopole de la vous n'avez pas le monopole de la violence verbale. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas le monopole de la violence verbale. On a tous le monopole. On a fermé Bruno Bidjan. Vous avez applaudi. Maintenant qu'on le libère, ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Maintenant qu'on le libère. Dites-moi. Ça vous fait mal où? C'est la question que nous voulons savoir. Oui, attends. Voilà. C'est très terrible. Maintenant, vous voulez parler ici. Vous voulez parler ici pourquoi? Vous allez de l'autre côté. Vous voulez mettre le mensonge. Allez de l'autre côté. On vous manque tous les jours. Nous, si on est véridique.
Au lieu de passer de temps à dire qui a trouvé, qui a tué Martinez, ça ne vous intéresse pas. Oh, ça va vous bénir. Oh, ça va vous bénir. Vous n'avez même pas honte. On vous demande d'aller à l'école, vous ne voulez pas. Passez autant à vendre les oranges partout. Après, votre frère vous amène en Europe. Aucune civilisation, aucune culture, aucune éducation. On prend un téléphone, on dose dans les mains de quelqu'un. Tout ce qui s'est fait, c'est au cuillon. Tous les insultes qui savent faire, cuillon, tête de mort, voilà tout ce qui savent faire. Qualité de lecteur, ils n'ont pas. Et ça sera en 2025. Ils vont encore commencer à errer ici comme les fous. Parce qu'ils veulent l'asile politique. Aujourd'hui, tous demandent l'asile politique en tant qu'homosexuel. On nous parle, on est là, on parle. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes toujours en train de dire, j'ai regardé, oh, qui a pris l'argent, oh, qui a pris l'argent. Ce n'est que l'argent que vous pouvez. La dignité, vous ne connaissez pas ça. L'honneur, vous ne connaissez pas ça. Vous ne savez rien de tout ça. Ni dignité, ni honneur, ni respect. Voilà pourquoi vous serez toujours derrière. À inventer, à créer des histoires sur les gens. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, c'est qu'il vous dépasse sur quelque chose. Il y a l'autre gars qui a 1500 salaires. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Le bout. Les financements de Kinox. Vous pensez que vous connaissez quoi plus que qui? Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Mais on est en place. La violence que vous avez eue chez Amourou Beninga n'est pas passée. Mais ce qui est sûr, à l'heure actuelle, Bruno Pitaré dehors. Ce qui est sûr, à l'heure actuelle, dans les heures qui suivent, Amourou Beninga sera dehors. On ne discute pas avec vous. Vous aimez induire les gens en erreur. Vous aimez induire les gens sur X ou sur Y. Mais, restez connectés sur ma page. Toute nouvelle information, quand c'est propre, je vous dis. Quand j'ai parlé, les gars ont filmé pour tout à l'heure, ils m'ont envoyé. C'est pour montrer la différence. Attends, j'appelle mon combi là. Filme-le, tu m'envoies. Pour vous montrer. Pour vous montrer qu'on a la ligne. Elle dit, filme-moi pour là, tu m'envoies ça. On va le filmer en direct, je vais vous montrer ça là directement. Vous allez m'entendre que vous allez m'entendre. Allô, bon. Ouais. Pardon, filme-le, tu m'envoies la photo tout de suite. Filme-le, tu m'envoies la photo tout de suite. Ok, ça marche. On n'est pas dans les histoires de qu'on tourne autour du pot. On n'est pas dans ça. Soyons vrais. Soyons vrais. Vous êtes toujours là à vouloir accuser les gens. Laissez la justice faire son travail. Mais non, comme on a des rancœurs, comme on a des rancœurs, il faut qu'on montre aux autres que ne suivez pas les autres blogueurs. On les a payés. Venez nous suivre. Maintenant, les gens vous suivent. Que des fake news. Que des fake news. Que des fake news. Vous voulez qu'on vous suive pourquoi? Vous voulez qu'on vous suive pourquoi? Dites-moi. Venez parler. C'est vous qui êtes toujours aussi. Il y a 2000 personnes connectées. Vous êtes là, dedans au moins 1600. Vous êtes là, dedans 1600. Je vous tabasse tous les jours, mais vous venez toujours là. Pourquoi vous venez là? J'y était. Allez regarder la diffusion du live de J. Allez regarder cette diffusion. Là, je vous ai dit, j'ai deux bouteilles pour vous. J'ai deux bouteilles pour vous. À l'heure-ci, ça va cuire sur vous. Préparez-vous, ça va cuire sur vous. Ce n'est pas le roi. Ce n'est pas le ron-ron-ron. Ça va cuire sur vous très mal. Restez seulement connectés sur mon mur. Tous ces nyama-nyama là sont là. Je vous ai dit, mes informateurs sont d'une précision terrible. Quand il dit filmer, on m'envoie, on filme seulement, on m'envoie. C'est pour vous dire que moi, je prends le temps d'aller à la source. D'aller à la source. Quand il a annoncé là que non, Bruno est libre, c'est là où Paul a demandé sa moto pour aller là-bas. Quand il est arrivé, on me dit que Paul est là.
dans tout ce que les autres petits blogueurs font là-bas au Cameroun. Je suis ici en main. On me donne, allez, qu'on me donne minute by minute. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas suivre ces influenceurs-là. Ce sont des boîtes à mensonges. À mensonges. Voilà. La laideur de ça. Et puis, tes soeurs courent derrière moi, idiot. Voilà votre conseil. C'est ça qu'on vous dit souvent. Des gens qu'on a élevé au lait de porc. Tu viens faire quoi sur mon mur? Des gens qu'on a élevé au lait de porc dans le comptoir des cigarettes, le vendeur de poste. Tu viens faire quoi sur mon mur? Regarde-moi quelqu'un. Tu as trouvé qu'il a le même pain. C'est-à-dire que tu as trouvé qu'il a le même pain avec sa mère. Tu vois, tu vois que l'autre là, que, c'est-à-dire que toi, quand tu regardes comme ça, on sent vraiment que toi et ta mère, vous avez le même père. Ton père a double fonction, il fait grand-père pour toi, et en même temps, il fait ton père pour toi. Moi, je ne parle personne. Tu viens écrire, regarde son nom, Ngenfa. C'est les mêmes gens. Ils laissent. Partout, ils vont errer là-bas, ils atterrissent sur mon mur. Et c'est lui qui vient. On va trouver que, ça dit que le père a enceinté la fille. On a accouché un cauchemar pareil. Pour éviter la honte de la famille, on a élevé avec le comptoir de poste et le vendeur de charbon à côté de la porcherie. Quand il était un peu adulte, on l'a transféré en Europe. Il vient tomber ici en Europe et il se retrouve sur mon mur en train d'envoyer les têtes de mort. C'est le genre de personne pareil. Boutman. Le genre, tu veux bloquer ça. Même si tu le bloques, c'est pas que tu l'as bloqué. Il n'est pas au courant. Ouais, son père a double fonction. Son père en même temps son grand-père. Ils sont toujours là. Quand ils arrivent, là, il faut voir. Ils sont toujours là. On dirait qu'on les envoie. On ne vous veut pas ici. Je vous garantis qu'ils sont là au moins 1500. Au moins 1500. Tu les tends. Ils sont. Leur rôle, c'est d'avoir les têtes de mort. Mais ils ont oublié qu'aujourd'hui, Facebook ne prend pas en considération les têtes de mort. C'est tout. Ils vont pas les trouver. Voilà encore l'autre là. Dieu fac. Je vais vous donner les... Non, je vais vous donner leur liste. Je vais vous donner la liste des noms là. Quand je prends votre téléphone, vous allez comprendre vite. Je vais vous donner leur nom. Vous allez voir la liste. Et ils ne sont pas souvent. Ils ne sont pas souvent compliqués. Attendez, je vais vous donner la liste. Et ils ne sont pas compliqués. Voilà. Attends, j'ai un truc dans. Voilà. Attends, je sais dans le truc. Voilà, n'allez pas dire que. Voilà ça, voilà les noms, les têtes de mort, rien que les têtes de mort. Écoutez leur nom, hein. Ngasa, Keha, Chendu, Tindo, Tayo, Njocha. Ah, voilà encore l'autre qui avait là. Chateko, Temmak. C'est tous les mêmes gens. Poigné. Panji, Sinje, c'est toujours les mêmes gens. Kanchuk, les mêmes gens, ils ont les mêmes pères. Nyamsi, Ndongfa, Chana, c'est toujours les mêmes gens. Ne cherchez pas loin. Allez sur mes murs, vous tapez seulement, vous allez prendre. C'est les mêmes gens. Les gens qu'on a élevé au lait de porc. Ils se perdent en France, ils arrivent sur mon mur, commencent à envoyer les têtes de mort. C'est pas les mêmes extrémistes, ils ont les mêmes séquelles. Les mêmes séquelles. Hein? C'est pas de ma faute, hein? Je vous dis toujours ça. C'est pas de ma faute si vous n'avez pas eu de joie à Noël. C'est pas de ma faute. Si on vous a éduqué sans amour là dehors, je ne suis pas responsable de ça. Ça veut dire que si tu as grandi sans que ton père te dise que, ouais, mon fils, je t'aime, c'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Vous voulez qu'il fasse quoi? Pensez que c'est si vous allez le faire votre éducation. C'est pas ici. C'est pas sur mon mur. C'est pas possible. Les enfants sont joués comme ça là. Pendant que les autres jouent, ils avaient une éducation normale. Tu te trembles là de 5 ans. On te met le plateau de nom sur la tête. Tu te trembles dans tout. Il y a un des doudois là comme un fou. Jusqu'à 23 ans, tu ne connais pas l'anga. Après, on te traite d'éjaculateur précoce. Tu te plains qu'on te traite d'éjaculateur précoce. Après, tu atterris sur mon mur. Tu vas la bombarder les têtes de mort. Tu vas envoyer le cœur. Faut faire attention, hein. Quand vous êtes ce J-point là-bas, on est là-bas. On est là-bas. C'est pas possible.
Après, quand on parle, ils vont commencer à dire que wow, 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 les gens vous parlent mal, les gens vous traitent mal. Ça leur a fait une heure. On reste connecté. Actuellement, nous attendons la libération du Zomba. C'est ça que nous attendons actuellement. Une fois, je laisse mon live en éveil. Une fois que le Zomba est libéré, on sort les bouteilles de champagne. Le Zomba est condamné, nous le condamnons nous-mêmes. Il est condamné, on le condamne nous-mêmes. Il est libéré, on ouvre les champagnes. Nous, c'est la vérité. Nous, c'est la vérité. On veut que justice soit faite sur la mort de Martinez. C'est pour ça qu'on est là. Mais, on ne va pas laisser un groupe d'extrémistes, Bamileke, et les jaloux d'Amougou Belinga faire porter le costume de meurtrier sur Amougou Belinga. C'est de ça qu'il s'agit.